Backstreet, la vidéo, c'est beau. Résumé du Koh-Lanta du 29 avril dernier, genre vendredi dernier quoi. Il y a eu l'épreuve de la dégustation, l'épreuve que tout le monde attend à Koh-Lanta, et elle était assez magique parce qu'on sent que toutes les équipes de Koh-Lanta, depuis des années, se sont dit « Bon, cette année, on va changer les règles, on va mettre des trucs plus fous, encore plus fous !» Et j'ai eu l'impression que Denis Brognard, pendant cette émission, devenait une sorte de cuistot, un gars qui tiendrait un restaurant pas hyper cool. Que si on t'invite au resto de Denis pour ton anniv, t'as pas envie d'y aller quoi, hein, c'est moins bien qu'un McDo a priori. Et vous avez remarqué, Denis Brognard ne dit plus top pour manger. J'étais triste parce que j'avais une super vanne avec top chef, top pour manger. Qu'est-ce qu'il y a au menu du resto de Denis Brognard? Ah, plein de bonnes choses. Alors comme d'habitude, des vers de coco, comme d'habitude des scorpions grillés, comme d'habitude des vers, mais cette année, il y a des nouveautés. Imaginez la réunion. Bon les gars, on doit faire bouffer des trucs dégueux aux gens de Koh-Lanta. Qui a eu une idée? Des vers de coco? Déjà fait. Des araignées? Déjà fait. Des vers? Déjà fait. Des scorpions grillés? Déjà fait. Des larves de frelons? Ah, bien coco. De la noix de coco? Non. Des larves de fourmis rouges? Pas mal. Des yeux de poisson? Pas mal. Des blattes? Pas mal. Des vers? Mais cette fois, ça serait un ver de vers. Y a un jeu de mots? Pas mal. Ah, hé. Ah non, j'allais dire une connerie. Non mais vas-y, dis, on est dans une rue, vas-y, dis. Des yeux de chèvre? T'as dit quoi? Des yeux de chèvre? Ça se mange ça, les yeux de chèvre? Je sais pas. Pas mal! Donc, on dit qu'on prend tout ça et qu'on propose tout en même temps. Genre, comme si Okui qui prenait le menu XXL? Je comprends pas cette blague. Sinon, il y a un truc trop bien sur ce Koh-Lanta en plus, c'est la blague raciste de la dernière émission. Puisque Steve est parti dans l'émission précédente, dont Steve qui était le noir, le black de l'équipe, et jusqu'à maintenant, on n'avait jamais entendu des trucs un petit peu racistes ou nets dans l'émission. Et là, les gens se couchent le soir sur Koh-Lanta, et qu'est-ce qu'ils disent tous? Bonne nuit les blancs. Pff, raciste. Bonne nuit les blancs. Pas mal. Bonne nuit les blancs. Ah, on est content, on est que des blancs sur l'île. Bande de racistes. Pas mal! Et on termine ce résumé de Koh-Lanta avec la plus belle image de ce Koh-Lanta, la plus belle aventure de ce Koh-Lanta. On se quitte avec Cassandre. Pas mal!